réfléchis, mais 6h15. C'était dur ce matin. Pourtant, je me suis couchée, il était 10h30. J'ai fini mon montage, mon deuxième montage, je l'ai publié. Et je suis partie direct au lit. Hier soir, à part du montage, j'ai pas plié mon linge, hein, bien sûr. Donc, ce soir, j'aurais pas le temps non plus. Je ferai mercredi. C'est pas facile. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Je devrais pas quitter trop tard normalement le boulot aujourd'hui. J'ai pas de réunion ou des choses comme ça, mon gars. Normalement, ça devrait le faire. On est le. Ah oui, on est le 12, c'est l'anniversaire d'un collègue. Il faut que. Je pense à lui envoyer un message. Parce qu'il est pas. Il est en déplacement aujourd'hui. Mais pour le taquiner. Tous les ans, à chaque fois que c'est la période de son anniversaire, il est toujours en déplacement. La semaine dernière, il était là. Comme par hasard, cette semaine, c'est son anniversaire, il est en déplacement. Comme tous les ans, à la semaine de son anniversaire, il est toujours en déplacement. Donc je l'ai charrié en disant, ouais, tu fais exprès, tout ça pour pas ramener les croissants. Et en fait, c'était pour le charrier parce qu'à chaque fois qu'il revient, il ramène toujours un truc après, voilà. Mais c'était pour le charrier. Oh, t'exagères, c'est pas vrai. Si. Bref. Ça c'est bon. J'utilise ceci, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé. Vous savez, c'est la fameuse palette dont certains fards, je les ai beaucoup utilisés. Mais ça, c'est une couleur idéale pour faire des transitions. En base, comme ça, c'est un fard. Top. Vous le mettez sur toute la paupière mobile. Franchement, parfait. Surtout que vous prenez un fard un peu plus foncé, comme celui-ci. Un petit peu, hein. Un peu plus fonce. Faites le creux de paupière. Hop. Du coup, il s'estompe et il se mélange hyper bien. C'est fort, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, je voulais. Il faut que je regarde. Je vais peut-être repasser commande pour en acheter une. J'ai déjà assez de palettes comme ça, mais bon, vous savez ce que c'est. Et je prends un autre pinceau pour prendre une couleur vraiment beaucoup plus foncée comme celle-ci. Le coin externe. Voilà. Et après, je reprends un peu de matière et je vais estomper les deux. Sous l'œil. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Simple, rapide, efficace. Alors ensuite, bon là il y en a presque plus. Je pense que.
petit, toujours pareil. Celui-ci, je l'adore. Hop. Dans un sens, dans l'autre. J'utilise les petits rouleaux. Franchement, il est trop bien ce mascara. Vraiment très bien. Il attrape les cils et tout. Là. Franchement, il fait un super regard. Rouge à lèvres. Je ne sais plus où j'ai mis mon spray fixateur. Tant pis, je voulais l'utiliser, mais je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Ensuite. Boucle d'oreille, allez. Bon là j'ai rien à, j'ai pas à manger à faire, je mange à l'extérieur. Je mange au BK, normalement avec une collègue. Et allez. Hop. Bonne journée. À tout de suite pour vous. Moi, à dans quelques heures. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi. Je quitte déjà le boulot super tard, ça va être showtime, sachant qu'en plus je dois faire le plein de la voiture. Oh, j'en ai marre. C'est toujours les jours où j'ai pas le temps que je quitte tard le boulot. Oh, puis là, il n'y a plus. C'est inondé, même le parking. Le parking est inondé. Il y a des zones creuses là, c'est un truc de fou. Alors moi je vois pas parce que j'ai pas de fenêtre sur l'extérieur hein, dans mon bureau, mais du coup quoi, je vois tout ce qu'il y a plus encore là, parce qu'à midi c'est déjà trempé, mais j'ai l'impression que c'était pas aussi trempé. Je
pense que on va être encore, si on n'est pas en alerte inondation, on est proche. Je sais pas si je vois le canal. Il est vachement le canal de la Meurthe. Non, on est situé, il y a à gauche le canal de la Meurthe et à droite la. Aquaplaning, hein. Moi je roule pas dans les ronds-points comme une folle alors que la route est complètement trempée. Bref, donc là je vais rentrer, je vais faire le plein de la voiture et après je sais pas du tout si j'ai le temps d'ouvrir le calendrier, j'aimerais bien au moins une partie comme la semaine dernière si je mets pas 3 heures à ouvrir. Bien trempé, c'est pas encore trempé jusque là, donc ça peut encore déborder, mais c'est pas loin. Si j'ai le temps d'ouvrir les calendriers et que je galère pas à ouvrir la porte de la dégusta box, mais normalement non, c'est bon, j'ai vu toutes les cases, donc ça devrait être bon. Mais voilà, si j'essaierai d'ouvrir un maximum de cases avant de partir, si me tac tac restera peut-être 5-10 minutes, 10 minutes aussi, faut que je me change aussi. Mystère, c'est compliqué. Bref, bon, voilà, c'était juste pour vous faire un rapide point. Je vous ai vu ce matin, non? Je sais même plus, j'ai vlogué ce matin, non? Je ne vous ai pas vlogué pendant ma préparation, je crois. Hein. Des fois, le matin, je fais tellement les trucs au radar que. Je sais même plus, je crois que je vous ai pris ce matin. Bref, je vais rentrer sur l'autoroute, donc là je suis rentrée sur l'autoroute, donc je vais vous laisser. En plus elle est gorgée d'eau, donc c'est pas terrible. Donc voilà, je vais vous laisser, puis on se retrouve à la maison pour l'ouverture des calendriers. On voit même plus tes calendriers, toi, au fait. Ah oui. En plus, ils sont même plus là. Oui. T'as tout ouvert, c'est ça? Non. Ah bon? C'est juste que j'ai remarqué que j'avais fait un décalage, du coup, ce matin, j'en ai pas ouvert. Ah bah oui, parce que t'as ouvert. J'ai ouvert le soir, en fait, le matin, j'avais encore ouvert. C'était sûr, ça. Tu les remettras là? Oui. T'en es à quel jour? 15, du coup? 14 ? Là j'ai ouvert le 13. Mais que demain je pourrais réouvrir. Ah ouais. Même pas. Tu ouvres le matin. Donc donc non. 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 Donc nous on va ouvrir les calendriers comme prévu, c'est parti, j'avais déjà plus ou moins préparé, je me suis encore cassé un petit bout d'ongle. Donc j'avais plus ou moins préparé, tout est là, les 5 calendriers beauté sont là, donc c'est parti. Alors Gloria, nous avons un produit de maquillage de la marque Nude Experience, d'une valeur de 9,90€. C'est bien ça, journée numéro 13. J'ai un doute du coup. C'est un vernis à ongles Nude Experience. Ah, il a l'air assez joli quand même. Assez joli celui-ci, ouais. Assez joli. Alors ça a l'air d'être un rose orangé. Avec la lumière comme ça artificielle, j'ai du mal un peu à voir. Mais ça a l'air d'être un rose orangé. Voilà. Donc ça a l'air d'être une jolie couleur. À voir. À voir si je le garde ou pas. Et Rituals, nous avons un gel douche de la gamme Ritual of Jing,
j'ai pas regardé, mais vert foncé comme ça, forcément. Et je la connais par cœur, cette gamme, c'est ma gamme préférée. Oh, j'ai le douche. Je sens que ce soir, en rentrant, je vais faire les photos et il va lui dire, il est dans la salle de bain. Je vais l'utiliser tout de suite. Je l'aime trop, je l'aime trop, j'aime trop cette odeur. C'est tellement relaxant et tout. Trop bien. Kills. Une monodose. Un truc... Night Serum. Ok, une petite dose de sérum. Franchement, c'est abusé grave. C'était pas comme ça qu'il savant. Franchement, je suis un peu. Ouais. Retinol Fast Release. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, une monodose, quoi. Ouais, quoi. Enfin. Ok. Glissim. Nous avons de la roche posée. Pur niacinamide 10 sérum anti-tache réparateur éclat. Ok, sympa. Franchement, sympa. Sympa, sympa, ce genre de produit. J'aime beaucoup, moi, ce genre de produit. Donc, c'est cool. Et je suppose qu'il y a même... je pense que c'est en verre avec une pipette. Ouais, c'est ça. J'avais déjà eu un produit comme ça. Il y a une petite pipette à côté. Et... Décale-toi. Alors, c'est peut-être pas en verre, mais en... Si, c'est en verre, mais oh, la bouteille elle est toute mignonne, franchement ça c'est cool, très très cool. J'avoue que je me demande si ouais je vais pas l'utiliser là. Ouais, ça a l'air il est parce qu'il a l'air bien, donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Et New, bon, c'est plutôt pas mal à part le Kills. C'est une pince pour les cheveux d'une très très jolie couleur. D'une très jolie couleur vert d'eau. Non, pas le focus sur moi, c'est le focus sur la barrette. Voilà. Très jolie couleur vert d'eau. Voilà, une petite pince à cheveux. Bon, moi je vous avoue que j'aime bien, parce que voilà, j'ai les cheveux longs et souvent le week-end, tout ça. Enfin, vous m'avez déjà vu quand je fais un peu. Ah mince, c'est attaché. Il faut que je la détache avec. Ah, je peux pas l'enlever. Il me faut des ciseaux. Ouais, voilà, j'aime bien m'attacher les cheveux et ça, c'est cool. En plus, elle, tout de même, malgré tout, elle est quand même très très jolie. Donc, je vous avoue que je pourrais même sortir avec. Ça me laisse encore 10 petites minutes. On va peut-être pouvoir ouvrir tous les calendriers. On enchaîne avec My Muesli. Alors, My Muesli, c'est une grosse boîte. Enfin, c'est bien rempli. Ah, c'est un porridge encore. Ouais. J'aime pas les porridge. Vanilla porridge. Ouais, vanilla porridge. Voilà, donc une petite boîte de porridge à la vanille. Ouais, à la vanille. Bon, ok, j'aime pas les porridge. Bon. Maison Colibri, nous avons une madeleine au cœur framboise coque chocolat noir. Et ça, c'est ma deuxième préférée après la... La madeleine noix de coco, chocolat, coque chocolat noir. Là, c'est la framboise cœur. Enfin, madeleine cœur, framboise, coque chocolat noir. C'est ma deuxième favorite. Et en troisième position, c'est celle au citron avec des éclats de meringue dessus. Avec cœur de citron, là. Oh, voilà, c'est mes trois favorites. Les autres, bah, je ne les ai pas toutes goûtées encore. Hein. Moi, j'en ai quelques-unes. Là, j'en ai au moins 4 ou 5 que j'ai pas encore mangé. Mais ce week-end, on a mangé déjà tellement de gâteaux que... Je vous avoue que là, le sucre, je suis déjà pas très très sucrée, je suis plus salée. Je peux plus trop. Bref, mais celle-ci, trop trop bonne. Dégusta Box, nous avons du pesto, c'est ça. Sac là, pesto, c'est du pesto vert. Bon, ça c'est utile. Je vous avoue qu'à la maison, à part moi, il n'y a personne qui mange, qui aime le pesto. Mais ouais, bah voilà, moi je le mangerai petit à petit, voilà. Pourquoi pas, voilà, j'aime bien le pesto, donc... C'est sympa, en plus c'est quand même un gros pot, c'est plutôt, voilà, moi je trouve ça bien, même sur des toasts. Alors je vous avoue que j'aime bien les pâtes au pesto, ça j'aime bien, mais peut-être en tartine, etc. Pour les fêtes aussi, ça peut peut-être être sympa, voilà, d'accompagner ça. Et on finit avec Waterdrop, une grosse boîte. J'aime bien les grosses boîtes, en plus elle est remplie. Franchement, Waterdrop, c'est pas comme si c'était une grosse boîte et qu'il n'y avait rien, comme dans beaucoup de calendriers où il y a des grosses boîtes et en fait il n'y a rien dedans. Là, eux, généralement, si c'est une grosse boîte, il y a un truc lourd à l'intérieur. Ah!
pense. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Vous savez, les deux jours, on a eu un couvercle pour une tasse. Ne serait-ce pas une tasse? Yeah, c'est ça. Voilà, une tasse en effet. Alors, ils en ont plusieurs, hein, mais celle-ci en un peu isotherme, comme ça, en métal. Jolie couleur beige, hein, voilà, c'est dans le thème cette année. Franchement, avec le couvercle qui va aller avec, et je vais pouvoir boire mon café, mon thé tranquille et tout, l'emmener partout sans qu'il se renverse. Franchement, ça c'est trop bien. Ah, donc on n'a pas eu un couvercle pour rien, je trouvais ça un peu dommage. Mais je me suis dit, bon, bah, on a eu d'autres accessoires des fois, hein, qui allaient pas. Enfin, là c'est le premier qui allait pas, mais. Trop bien. Excellent. Excellent. Voilà. Puis bon, c'est quand même une grande contenance, donc je me vois bien boire un bon thé là-dedans. C'est cool hein, parce que c'est quand même des articles qui sont pas donnés. Hein. Ça coûte, je crois. Du coup, j'avais regardé, je crois que la tasse, elle était entre peut-être 12,90€, quelque chose comme ça, plus le couvercle. Je crois que c'était un coût de à 19€ ou quelque chose comme ça. Donc bon, voilà, c'est quand même finalement, on en a quand même pour notre argent. Aromathérapie, nous avons synergie vitale. Ok, une petite synergie vitale. L'odeur est assez discrète, je vous avoue. J'ai du mal à trop à sentir. Ça a l'air d'être assez discret. Avaimer. Donc une petite bougie ronde. Qui sent bon. Assez particulière quand même. Mais qui sont plutôt bons. C'est North Pole encore, Santa Snowman. Ok. Voilà, Santa Snowman. Ok. Bon, je trouve, je sais pas. Ça a une odeur particulière, je sais pas quoi. Il y a un fond d'air là, bizarre. Bon, de toute façon, j'essaierai. J'espère que je vais retrouver. Parce que des fois, je trouve pas comme hier, j'ai pas trouvé. J'ai même été sur d'autres sites, etc. J'ai pas trouvé. Ça doit être une ancienne collection. C'est dommage parce qu'hier, ça sentait tellement bon que j'aurais voulu savoir. Mais bon. Donc bon, voilà. Ensuite, on continue avec la Witches. Ah, un bracelet de pierre, cool. Je me suis trompée. J'ai eu du bel mille là, c'était... Ah non, mais comme j'entendais du bruit, je me suis dit, ouais, ça y est, il y a un orage ou je sais pas quoi. Vas-y, donc... vas-y, le truc s'éteindre là. Nous avons un bracelet de pierre, je pense que c'est des obsidiennes noires, je suppose. Vu la couleur, je pense que ça peut être que ça. Ça, c'est plutôt... ça, c'est chouette. Tiens, regarde. Ça peut être sympa hein, comme bracelet, même. Je peux même si bracelet de pierre. Et voir s'il est... De l'obsidienne. Ouais. Bah, l'obsidienne, c'est un peu comme ça. Ils ont sculpté. Bah, ils l'ont arrondi, ouais, pour faire... Ah, il est même pas trop grand pour toi. En obsidienne noire, c'est ça, protection énergétique, transformation et croissance personnelle. Elle favorise la transformation intérieure, les développements personnels. C'est pour toi ça. La pierre encourage l'introspection et l'exploration des aspects sombres de soi. Elle est réputée par sa capacité à repousser les énergies négatives et à créer un bouclier protecteur autour de celui qui la porte. Elle purifie l'environnement énergétique. Chouette. Merci. Bah, si tu voudras porter le bracelet, on le purifiera, ouais, et si tu veux le porter, tu D'accord. peux. D'accord. Ouais. Ok. Mais ils sont quand même des gros morceaux, donc ouais. C'était des vrais... Je sais pas, ouais. Ça vaudrait vraiment le coup. Bah ouais, je sais pas, c'est vrai que, bon, normalement, c'est des vrais, mais... c'est étonnant, vu la taille, ouais, vu la taille des pierres. Après, c'est peut-être pas des pierres non plus, même pas semi-précieuses, hein. C'est peut-être juste des pierres... Comme ça qu'on peut trouver... Bah, peut-être pas facilement, mais bon, parce que j'en ai jamais vu des comme ça, mais... Peut-être dans un ruisseau, tu restes une... Bah eux, ils savent où chercher les pierres. Une dizaine d'heures et c'est bon, t'en as une comme ça. Je sais pas. Et on finit... On peut trouver des pépites d'or dedans. Et on finit avec Rituals. Et nous avons... pas Rituals, Purelet, pardon. C'est qui a Ivan, je dis n'importe quoi. Hein? C'est lequel que t'aimes pas? Là, le calendrier, tenait des trucs que t'aimais pas. Ben, il y en avait quelques-uns, ça dépend. Tu vois, quand j'obtenais le truc des maquillants, sauf que ça, le produit... Ah, oui, oui, bah oui, non, moi finalement, il y a eu qu'un truc comme ça dedans. Après, le reste était bien.
Ok. Donc ça va. Nous avons un collier. Alors je le porte comme un pendule, mais c'est pas un pendule. Ça pourrait. Non, doucement. C'est un collier avec une jolie perle. Voilà, avec une jolie perle. J'aime beaucoup. En plus, j'aime bien les petits colliers. Les petits colliers comme ça, il passera pas si j'ai... Merci à ma petite tête. Et toi, ne renverse pas tout. Voilà, merci à ma petite tête. Et voilà le collier. Franchement, très joli. J'aime beaucoup. Bon, je peux l'essayer pour voir s'il va. Je vais te voler tous tes bijoux. Ah, bah, c'est coincé dans tes boucles d'oreilles. Ouais. C'est compliqué pour toi. Bah quand même, parce que je veux pas l'abîmer. Ah, ok. Enlève tes lunettes. Bon, toi, c'est encore plus facile. Encore une plus petite tête que moi pour l'instant. Pour moi, je m'arrive à là comme un normal, quoi. Normal, ouais. Bon, après, ça fait quand même collier de fille. Hein. Ouais. Donc, voilà pour les calendriers. Ah, bah ça tombe bien, il n'y a plus de batterie. Donc, c'est parfait. Et je vais pouvoir prendre mes photos, dépêtrer Evan du collier, merci. et puis bah, me changer, et puis on va y aller, parce que du coup, ouais. Oh, oui, en retard, donc on se dépêche. Vite. Alors, je vais prendre... mon shaker. Avec une dose, je mettrai de l'eau à la salle et je prépare d'autres doses. Et je prends ma gourde et je vais y mettre du C4. Limonade. Je vais prendre le rasoir. Ouais. Quel goût, framboise. Ouais. Ok, super. Il y a du silicate pour ceux qui ont la référence. C'est quoi? C'est quoi du silicate? C'est pour l'humidité. Ah. Par contre, il n'y a pas de. Ah, si. Zest, il n'y a pas de verre doseur. Je suppose que c'est qu'une cuillère. C'est pour ça que tu peux t'en mettre 5. Non, normalement c'est qu'une, je suppose. J'ai pas le temps de regarder de toute façon. Used. Ouais, bon. On verra. Hop. Oh, c'est déjà tout bleu. C'est bleu, hein. C'est méga bleu. Bon. Je vais préparer mes doses. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, hop, voilà. Je vais en mettre partout, donc mes doses sont faites. Ça c'est bon. Et alors ça par contre c'est très bon. Alors c'est par contre c'est chimique à mort. C'est hyper chimique, mais c'est un goût de bonbon. Donc franchement c'est hyper hyper agréable. Par contre ils disent de mettre ça dans 250 ml d'eau, 300. Ouais, 200 ml d'eau. Moi j'ai mis dans ma grande gourde, là que vous avez pu voir, c'est une bouteille d'1 litre. Je l'ai remplie à 3 quarts, donc dans 75, et c'était déjà
hyper prononcé. Donc clairement, je ne mettrai pas dans deux sens, sinon ça serait, je pense, écœurant. Donc là, je vais la rincer parce que demain, je vais retourner sur moi à la salle. Sauf s'il y a un problème au travail. Mais, et du coup, je vais mettre dans mes petites doses. Vous savez, j'utilise les boîtes de... C'était où je mettais le lait pour Evan. C'est pour vous dire, ça a plus de 10 ans, du coup, ce truc-là. Mais du coup, je m'en sers pour mettre les doses... Et là, je vais mettre là-dedans, parce que comme du coup, là, je vais la rincer, elle sera sûrement encore mouillée. Du coup, ça va coller, etc. Bref, au moins, je pourrais... Donc, j'ai pas les mains trop mouillées. Une dose. Deux doses. Et voilà. Je suppose que... Oh, par contre, ça colorie les doigts. Voilà. Les doses sont prêtes. Je vais bien fermer ça. Voilà. Comme ça, j'ai ma dose pour demain. Ça sera des doses pour plus tard. Hop, voilà. Et ça, je vais nettoyer. Instant concours. Je vous propose de remporter un bijou de chez Mati qu'on avait eu dans la Splendis de l'hiver de chez Blissim. Voilà. Et alors, j'ai repris les informations. Donc, c'est un bracelet. C'est un bracelet en acier doré et résine noire. Voilà, Mati, c'est quand même une très très bonne marque. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je connais déjà très très bien. Et donc, c'est ce collier-ci, ce bracelet. Donc, je vous le montre. Hop. Je vous propose de remporter. Je vous montre avec une belle lumière. Voilà, ce bracelet de chez Mati, donc un bracelet en acier doré et résine noire. Donc si ce bracelet vous intéresse, n'hésitez pas à participer au concours, d'être abonné à ma chaîne, liker, commenter et répondre au Google Form qui est juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. Voilà, donc voilà, si ce bracelet vous intéresse, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah. Et puis bah voilà, je vais arrêter. J'ai mon téléphone qui bug là. Voilà, donc je vais m'occuper de faire réchauffer. Ouais, au niveau des plages, je vous ai rien montré parce qu'en fait hier il y avait des restes. Oh, voilà, la tête de mort, je fais peur. Hein. Voilà, c'est mieux. Hier il y avait des restes de crêpes, de galettes au jambon, champignons, fromage, tout ça. Donc on a mangé et là il reste encore des poivrons avec les pâtes. Donc du coup c'est ce que Evan va manger. Et voilà, et donc j'ai juste à réchauffer. Demain, bah, je vais devoir faire à manger. Mais je sais déjà ce que je vais faire. Donc je vous fais mûrir ça tranquillement. Et puis, voilà, moi il me reste. J'ai fait toutes mes photos, je vais ranger un peu. Et je vais faire le montage vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et je vous dis donc à demain. Ciao. We wish you a Merry Christmas. We wish